Les priorités du groupe, c'était d'abord d'avoir une gestion la plus saine possible et la plus économe possible. Je pense qu'on le sait que la situation financière est compliquée, qu'elle va être vraisemblablement de plus en plus compliquée, avec une diminution des recettes et une augmentation de la dépense sociale, malheureusement, qui est liée au contexte économique. Et donc il faudra probablement faire des économies de fonctionnement, parce que ce qui serait préjudiciable pour le département, ça serait d'être obligé de diminuer les dépenses d'investissement. Nous devons absolument garder ces dépenses d'investissement qui se traduisent ensuite sur le territoire en marché pour les entreprises et en emploi pour nos habitants.